Au des rumeurs et des accusations, Olive Lembe, la première dame honoraire de la République démocratique du Congo, RDC, a pris une position ferme pour défendre la réputation de son mari. Le président Kabila n'a jamais réclamé. Puisque moi, je, je, je mets quiconque en défi de m'éprouver depuis quand ils ont signé. Ce salaire de 680 000, je, je, commence à les chercher, moi. Puisque tellement que j'entends qu'on en pas. Je commence à les chercher. Je mets quiconque un défi de m'éprouver, de me produire les documents, par exemple, depuis 2020, de me produire les documents où on a signé ce salaire de 680 000 que mon époux aurait reçu. Quel Rien. Mais il n'a jamais réclamé. Il n'a jamais fait mention. Mais moi, personnellement, j'en fais mention parce que, malgré que lui ne le réclame pas, vous imaginez quelle magie est-ce que je peux opérer si j'ai 680 000 chaque mois entre mes mains pour le bien-être de mes compatriotes Je pense que je vais, comme c'est une nouvelle année, je vais entamer des recherches et faire des démarches pour savoir où sont passés les 680 000 de mon époux pendant des années, qu'elle ont crie tout le temps sur les toits, comme s'il si les recevait quelque part, et essayer de les récupérer, puisque c'est son droit constitutionnel. On ne peut pas se réveiller un beau matin et commencer à faire des déclarations juste pour jeter de la poudre aux yeux à cette pauvre population, essayer de la mettre en conflit avec Joseph Kabila tellement qu'on a peur du silence qu'il incarne. Puisque, avec. Récemment, les réseaux sociaux ont été en effervescence avec des affirmations selon lesquelles son mari, l'ancien président Joseph Kabila, recevrait un salaire mensuel de 680 000 dollars. Olive Lembe a catégoriquement rejeté ces assertions, déclarant que son mari n'a jamais exigé un tel salaire. Le président Kabila n'a jamais exigé. Laissez-moi prouver avec qui ils ont signé ce salaire de 680 000 dollars par mois, a déclaré Olive Lamb, soulignant la nécessité de preuves pour étayer ses affirmations. Cependant, la controverse ne s'arrête pas là. Les critiques ont souligné que Joseph Kabila aurait amassé plus de 15 milliards de dollars pendant son mandat, soulevant des questions sur la nécessité d'un revenu mensuel aussi substantiel. Quelqu'un peut-il rappeler à Olive Lamb? que son mari Joseph Kabila a volé plus de 15 milliards de dollars et n'a pas besoin de 680 000 dollars par mois a remarqué un critique. Ce commentaire reflète la frustration et la suspicion généralisée parmi le peuple congolais concernant la richesse de l'ancien président. La capacité de Lemb à s'exprimer librement sur de tels sujets est notable, surtout comparée à la situation dans le pays voisin, le Rwanda. Là-bas, les critiques ouvertes du gouvernement font souvent face à des répercussions sévères, y compris l'emprisonnement, la disparition, voire la mort. Au moins, Olive Lembe peut s'exprimer librement et personne ne l'emprisonnera à cause de ce qu'elle a dit. Mais à côté, chez notre voisin le Rwanda, vous serez chanceux d'être emprisonné parce que là-bas vous êtes tué ou disparaissé. À noter, un autre observateur soulignant les différences flagrantes de liberté d'expression entre les deux pays. Alors que le débat fait rage, une question pertinente reste sans réponse. Que dira Olive Lemb lorsque les Congolais commenceront à demander à son mari de restituer l'argent qu'il croit qu'il a volé? Cette question souligne la méfiance et le ressentiment profond que de nombreux Congolais nourrissent à l'égard de leur ancien leader. La demande de responsabilité et de transparence dans l'utilisation des fonds publics est plus forte que jamais, et les récentes déclarations d'Olivelembe n'ont guère apaisé la tempête. En conclusion, la défense d'Olive Lemb de son mari au milieu de la controverse sur le salaire et des accusations de corruption a mis en lumière la relation complexe et difficile entre le peuple congolais et leurs anciens dirigeants. Six déclarations ont suscité un débat et un examen plus approfondi, alors que la nation lutte avec son passé et cherche une voie à suivre qui assure justice et responsabilité pour tous.